J'ai intérêt à bien assurer car Denise et Jackie, eux, ils me surveillent et ils ont pas du tout l'air de rigoler. Hein. Ça fait une semaine que je tremble. Heureusement qu'il y a aussi Wendy pour me rassurer depuis sa console. La base de notre recette d'aujourd'hui est le 4 quarts. Rappelez-vous, le 4 quarts est une recette bretonne où les 4 composants sont en quantité égale en masse. C'est vraiment le gâteau sans faute, apprécié par les petits et les grands. Il est alors tout à fait naturel pour moi de partir sur cette base pour réaliser une gourmandise autour de notre thématique du jour qui est Halloween. Voici le gâteau fantôme. On va commencer notre recette tout de suite par réaliser notre cornet de chocolat, d'accord? Parce que c'est ce qui va nous permettre de faire les petits yeux de notre fantôme. Pour ce, on va prendre un cul de poule, donc un saladier, et dans celui-ci, on va mettre du chocolat noir. On va faire ce qu'on appelle un bain-marie. Ce qui est important quand vous faites un bain-marie, c'est d'avoir une casserole avec de l'eau, mais il faut que votre eau ne touche pas le cul de votre saladier. Donc quand vous allez mettre votre saladier sur votre casserole, il ne faut surtout pas que le bas de votre saladier soit en contact direct avec l'eau. Sur un feu, pas trop fort notre feu. Hein. L'objectif, c'est que notre chocolat fonde. On ne veut pas une grosse ébullition, que l'eau dépasse de la casserole et que l'eau monte jusqu'au contact de notre saladier. Donc je vais me mettre à peu près à 6 sur 10, faire fondre tranquillement notre chocolat. Et pendant ce temps-là, on va préparer notre cornet. Un cornet, c'est quoi? C'est ni plus ni moins que du papier sulfurisé. Donc là, j'ai une grande feuille de papier sulfurisé. Et sur ce papier sulfurisé, eh bien, on va prendre juste le coin de notre papier et on va faire une sorte de triangle rectangle. Voilà. Et celui-ci, il va falloir que je le roule. L'objectif étant d'avoir comme un cône. Donc vous voyez, je vais partir d'ici, comme ceci, et je vais rouler mon cône de façon à pouvoir remonter la pointe qui est ici vers le haut. Voilà, comme ça. Vous voyez, là, j'ai mon cornet. Et cette pointe, une fois qu'elle est remontée, je vais la plier à l'intérieur de façon à fermer mon cornet. Et vous voyez, j'ai un petit cône qui est prêt. Alors après, en le serrant ou non, je vais pouvoir refermer la pointe, vous voyez, qui est ici. Et après, je n'aurai plus qu'à mettre mon chocolat à l'intérieur de façon à pouvoir l'utiliser comme un petit stylo, ce qui va me permettre après de dessiner mes petits yeux et tout ce qui s'ensuit sur mon gâteau fantôme. Notre cornet, hein, toujours, on fait attention qu'il soit bien fermé au bout. Alors si on a un tout petit peu, un tout petit trou d'un millimètre, ça sera parfait, il sera déjà presque ouvert. Et je réserve mon cornet sur le côté en attendant que mon chocolat fonde. Donc là, le chocolat fond, le cornet est prêt. On va juste, en attendant, commencer par émietter notre 4 quarts. Donc le 4 quarts, il est ici. Hein, un 4 quarts, c'est un temps pour temps, c'est une même quantité de farine, œufs, sucre et beurre. C'est très simple à faire. Vous retrouvez la recette sur le site, n'hésitez pas. Si vous voulez, vous pouvez en acheter un tout fait. Ça fonctionne aussi. Donc on va couper notre 4 quarts pour commencer grossièrement, hein. L'objectif, c'est de faire une recette facile et accessible pour tous. Voilà. On va mettre nos dés dans un saladier. Et là, avec les doigts, eh bien, on va l'émietter. Je vais faire une sorte de poudre de 4 quarts. Hein. Je fais attention parce que j'ai toujours Jackie le squelette qui me surveille derrière. Denise l'araignée aussi. Ils sont gentils, hein. Tout va bien. Ils sont pas méchants. Ils font peur comme ça, mais ils sont pas méchants. Allez, on émiette bien l'ensemble de notre 4 quarts. Hein. Voilà. Là, j'ai plus de gros morceaux. Alors, on peut avoir des petites boules, hein, persistantes, c'est pas grave. Ça fera tout à fait l'affaire. Je réserve mon 4 quarts sur le côté du poste. On va aller regarder tout de suite notre chocolat. On fait très attention avec notre chocolat parce que quand on va enlever le saladier de la casserole, on prend un torchon, sinon vous risquez de vous brûler. Hein. On fait vraiment très attention. Et vous voyez, mon chocolat, il a commencé à fondre. Il n'est pas encore totalement fondu. Ce n'est pas dramatique en soi-même. On va prendre une cuillère. Et avec notre cuillère, on va mélanger. En mélangeant, vous voyez, il va finir tranquillement de fondre. Là, on est bien. Alors, vous voyez là, mon chocolat, il est super fluide. Il est très, très chaud. On va attendre tranquillement qu'il redescende en température, qu'il commence à épaissir un peu, qu'il soit beaucoup moins fluide avant de le mettre dans le cornet. Allez, je réserve de côté. Alors ce gâteau, vous verrez, il est tout simple. C'est vraiment le petit dessert à faire pour Halloween qui fait son effet et qui est très facile à réaliser. On va prendre du mascarpone et on va prendre de la confiture de fraises. On va mettre
notre mascarpone et notre confiture de fraises avec notre 4 quarts. Là, moi, sur cette étape, je préfère mettre des gants. Ça m'évite d'avoir du gâteau plein les doigts. Maintenant, pour les gourmands, vous pouvez tout à fait mettre les mains directement dedans et vous lécherez les doigts au bout. Et on va mélanger de façon à obtenir une pâte. Donc j'écrase bien le mascarpone et la confiture avec mon petit gâteau. Là, j'ai une sorte de pâte qui s'est créée, qui colle pas tant que ça aux doigts, vous voyez. Elle est plutôt agréable. Si elle venait à trop coller aux doigts, parce que votre mascarpone pourrait être beaucoup plus humide que la mienne, eh bien, en fin de compte, vous rajouterez un tout petit peu de sucre glace. Moi, la texture me plaît bien, là, vous voyez. Si ça venait à trop coller aux doigts, vous mettez un peu de sucre glace en plus dans votre préparation. Là, maintenant, on va prendre des morceaux de pâte et on va les rouler. On va faire des petites boules, voilà, entre les mains, comme ceci. Et là, première petite boule. Et on va essayer de faire plein de petites boules comme ça, de la même taille. Superbe. Mes petites boules de gâteau sont prêtes. Alors, un fantôme, c'est de quelle couleur? C'est blanc, hein? Donc, notre fantôme, il va falloir qu'on lui fasse sa petite robe pour venir l'habiller. Et on va utiliser une pâte à sucre. Donc, notre pâte à sucre, il va falloir qu'on l'étale. Donc, on va pousser notre planche. Alors, on vous a demandé du sucre glace. C'est ce qui va nous permettre d'étaler facilement notre pâte à sucre sans qu'elle colle sur le poste. Donc, moi, je mets toujours un petit peu de sucre glace sur mon poste de travail, comme ceci. Et ma pâte à sucre, je vais venir la poser dessus. Je vais déjà l'aplatir un peu avec ma main pour me faciliter le travail. Je vais prendre mon rouleau pâtisserie et j'étale ma pâte à sucre comme je la veux. En la repassant sur mon sucre glace pour éviter qu'elle accroche sur mon poste. Allez, c'est parti, on étale. On va faire à peu près un bon millimètre d'épaisseur dans l'idée. Cette pâte à sucre va venir habiller notre gâteau. On ne veut pas qu'elle soit trop épaisse. Le sucre, on l'a déjà dans notre gâteau. L'objectif, c'est vraiment d'habiller notre fantôme. Voilà. On a notre petite boule de gâteau. On a notre pâte à sucre. Et notre pâte à sucre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui donner une forme de carré. D'accord? Donc, on va la parer légèrement, comme ceci. On se met notre gâteau au milieu, si on veut, pour avoir à peu près la dimension qu'il va nous falloir. Superbe. Et avec notre pâte à sucre, on va venir recouvrir notre petite boule, vous voyez, en faisant des plis, comme un petit fantôme, vous voyez. Voilà. Et là, on a notre fantôme. Alors, on peut couper après, on peut parer un peu les bords, si on veut lui redonner une forme un peu plus petite. Mais notre fantôme, dans l'esprit, est là. Et on va reproduire cette opération sur toute notre petite boule de 4 quarts. C'est parti, et on la réétale, et on continue, ainsi de suite. 1 mm, on n'hésite pas à prendre. Vous voyez, là, elle commence à accrocher. On revient chercher du sucre sur le poste. On prend notre petite boule, on vient, on se pose. Et ce qu'il faut, c'est vraiment mettre un effet un peu drapé, vous voyez. Si on est trop grand d'un côté, on vient couper. Voilà. On met des petits plis où il faut. On le laisse aussi se positionner. Là, on a un joli petit drap. Hop. Alors, on peut reprendre les chutes. Rien n'empêche. Vous voyez. Là, maintenant que je vous ai montré sur une quantité raisonnable, je vais passer à un morceau beaucoup plus gros pour aller plus vite. On pourrait prendre un emporte-pièce aussi pour tailler notre petite pâte à sucre, si vous préférez. Vraiment pas trop épais. Ça, c'est vraiment pour moi ce qui est important. Sinon, ça risque d'être très sucré après. Ça y est, nos 10 petits fantômes sont presque prêts. On a des beaux petits voilages qui tombent. Vous voyez, regardez, ils sont déjà bien habillés, on va dire. Maintenant, il va falloir leur donner une vie à ces petits fantômes. Donc, il va leur falloir faire des petits yeux, une petite bouche. Ça serait vraiment beaucoup plus sympa. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre chocolat qu'on avait tout à l'heure. Et vous voyez, notre chocolat, déjà,
il est beaucoup moins fluide, hein. Il commence à être beaucoup plus épais. Ça, ça va être parfait, on va pouvoir le travailler tranquillement. Donc lui, on va le mettre dans le cornet qu'on a préparé au tout début. Donc on va prendre une cuillère. Donc surtout, ne remplissez pas totalement votre cornet, hein. Sinon, vous allez être embêté. Vous arrêtez aux trois quarts. On va fermer notre cornet. Donc pour ceux, on plie sur les côtés. Voilà, comme ça. Et on va le fermer tranquillement jusqu'à ce que notre chocolat, vous voyez, commence à ressortir de l'autre côté. Vous voyez mon chocolat, là, il ressort de l'autre côté. Ce qui est important, surtout, c'est de bien vous essuyer les mains pour ne pas avoir de chocolat qui traîne sur les mains. Parce que si vous avez du chocolat qui traîne sur les mains, vous allez salir vos petits fantômes. Vous allez leur mettre des traces de chocolat, ça ne va pas être joli. Donc surtout, on s'assure d'avoir les mains bien propres, pas une trace de chocolat qui traîne. Parce que quand on va les prendre, vous voyez, il ne faut pas qu'on les tâche. D'accord ? Et on va choisir un côté qui nous plaît, qui n'est pas trop drapé. On va prendre notre cornet de chocolat et là, on va venir faire deux petits yeux. Et on peut lui faire une petite bouche. Alors moi, j'aime bien leur faire des bouches droites. Comme ceci. Voilà. Et on va faire ça sur tous nos petits gâteaux fantômes. C'est parti. On peut en faire avec une bouche, par exemple, vers le bas, comme ça. Vous voyez, un fantôme un peu triste, quoi. On peut en faire un qui sourit aussi. On peut y en avoir un fantôme joyeux. Normalement, on est là pour faire peur. Ces petits fantômes, pour l'instant, ils m'ont l'air plutôt tranquilles. Donc moi, je vais les rendre un peu moins tranquilles. On va revenir leur mettre un petit peu de confiture de fraises sur le haut de la tête. Juste un petit coup, comme ça. Pas trop. Hein. Voilà. Juste comme ça. Et on en met sur chacun d'eux un petit peu de confiture de fraises sur le haut de la tête. Il nous reste une dernière chose à faire. Eh bien, venir rendre encore plus réel cet Halloween, c'est-à-dire faire souffrir un peu nos petits fantômes. Paf! Je leur pique un pique-brochette sur le haut de la tête. Je vais prendre mes petits gâteaux fantômes, je vais les poser sur une petite plaque. Tourner la tête à certains. Mes petits gâteaux fantômes sont prêts pour Halloween. Alors, Halloween, ce n'est qu'à la fin des années 1990 que c'est arrivé en France. Hein. Rappelez-vous, on avait la commercialisation des téléphones Orange. Alors, les jeunes enfants ne se souviennent pas de nos vieux téléphones où on envoyait des SMS et on comptait le nombre de lettres. Mais c'est Orange, France Télécom, qui, à travers la distribution de citrouilles sur la place du Trocadéro, qui a relancé Halloween en France. Mais sachez qu'en France, cette tradition d'effrayer les passants existait déjà depuis très très longtemps. Dans le Finistère et en Lorraine, entre le 15e et le 20e siècle, on s'amusait à faire peur aux passants avec des têtes de betteraves grimaçantes qui étaient éclairées de l'intérieur par une bougie. Allez, moi, ma recette est terminée. Je vais sans attendre goûter ce fantôme. Et je peux vous dire qu'il peut me faire peur comme ça visuellement, mais moi, en cuisine, rien ne m'arrête. Je vais le goûter parce qu'à mon avis, ça doit être très très bon. Un délice. Je suis fou de gâteau fantôme.